Claude Richemort, Marion Cotillard et Jean Dujardin lui rendent hommage. Ce vendredi 21 juillet, la famille de Claude Riche faisait part du décès du comédien à l'âge de 88 ans. Dès l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Sur Instagram, Marion Cotillard et Jean Dujardin ont également tenu à rendre hommage à l'acteur. Non stop et hop le vous en dit plus. Claude Riche est décédé dans la nuit du 20 au 21 juillet. Acteur de talent, le comédien a mené une belle carrière au cinéma, mais également au théâtre. Sur grand écran, il s'était illustré dans de nombreux films comme Oscar, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et Les Tontons Flingueurs. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages affluent. En exclusivité pour Non Stop et Hop, Jean-Pierre Mocky est revenu sur le comédien que Claude Riche était. C'était un homme rare au cinéma comme au théâtre. Moi j'ai travaillé une fois avec lui en 1966 dans Les Compagnons de la Marguerite. Je l'aimais beaucoup parce que c'était un homme propre. Vous savez, dans notre métier, il y a une bande de salauds. Mais lui, sa qualité principale, c'est que c'était un homme honnête et droit et qu'il n'a jamais rien fait de mal. Il a toujours été régulier avec ses amis, avec les autres comédiens. Lui c'était un pur, un exemple pour les jeunes, a déclaré son ami de longue date. Les stars rendent hommage à Claude Riche. D'autres célébrités ont rendu hommage à Claude Riche. Sur Instagram, Jean Dujardin a posté une photo de l'acteur datée d'il y a plusieurs années. Dièse Claude Riche grand sourire, grand talent. Merci. Triste dièse tonton flingueur, a écrit l'acteur. Marion Cotillard a également publié un joli hommage. La comédienne oscarisée a posté un cliché en noir et blanc de l'acteur et a simplement mis en commentaire des émoticônes. Claude Riche a marqué toute une génération d'acteurs. Par Ambre et elle.